Bonjour les amis, content de vous retrouver pour un nouveau quintet. Alors il y avait une course aujourd'hui, le mardi 26 juillet, c'était à Compiègne, réunion 1 course 8, départ a lieu à 18h, 2000 mètres, et il y avait 16 partants. L'arrivée était 3, 2, 4, 1 et 5, donc je vous donne le tiers écarté, bon c'est les rapports cacahuètes. Ma dernière minute, le 3 qui gagne la course, et mon coup de cœur, le 1 qui finit 4ème, donc comme je vous dis souvent, de les prendre en base en multi en 5, bon c'est des petits rapports, mais au moins on touche. C'était le but. Après, j'avais essayé de modifier un petit peu l'ordre pour que ça paye un peu. Mais c'était les favoris. Entre guillemets, voilà, les rapports cacahuètes. Mais bon, tiers écarté, ça fait quand même du bien. Donc, on va essayer de continuer sur cette lancée pour demain. Mercredi 27 juillet, ça sera Enghien, réunion 1 course 7. Départ sur 2875 mètres. Il y aura 13 partants. 4 et non partants. Donc là, il va falloir essayer de trouver l'ordre. C'est toujours le plus compliqué, mais bon, j'ai essayé de modifier un petit peu pour que ça paye. On verra bien ce que ça va donner. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 10 Fly Speed de Franck Nivard. Je vous ai mis le 2 Falcao de Chenu de Louis Baudouin. Le 12 DS Noir de Pierre-Yves Verva. Le 5 D'Acero de Rochard. Le 3 Crack Atou de Pierre Vercruise. Le 8 Pharrell Seven de Nicolas Bazir. Lui, on est obligé de le mettre. Le 13, Doux Parfum de Johan Le Bourgeois. Et le 6, Divine de Navarri de Franck Ouvry. Donc il n'y aura pas de canon partant, il y a déjà très peu de partants. Donc après, si vous voulez enlever mon dernier de ma sélection, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc je répète ma sélection, le 10, le 2, le 12, le 5, le 3, le 8, le 13 et le 6. Pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier. Je vous ai mis le 10, Fly Speed de Franck Nivard. Je vous ai mis le 2 Falcao de Chenu de Louis Baudouin. Je vous ai mis le 12 DS Noir de Pierre-Yves Verva. Et le 5 D'Acero de Rochard qui peut avoir aussi une belle petite cote qui peuvent venir pimenter les rapports. Donc je répète mes 4 chevaux avec Xavier, le 10, le 2, le 12 et le 5. Allez voir la vidéo de Xavier. Si vous voyez des chevaux en commun, vous les prenez en base, soit pour des couplets 2 sur 4, des bases tiers, écartées, quintées. Après vous faites vos jeux comme vous voulez, avec le reste de notre sélection. Pour la vidéo de dernière minute, je vous ai mis le 10 Fly Speed de Franck Nivard, que j'aime beaucoup. Mon coup de cœur, bah, comme je vous ai donné la dernière fois, le 12 DS Noir de Pierre-Yves Verva. Et mon coup de folie sera le 6 Divine de Navarri de Franck Ouvry. J'aurais pu aussi vous donner le 5 ou le 3, 3, 5, 6 en coup de folie, mais bon, là, à mon avis, je pense que demain, ça risque de ne pas payer. Donc, je vais vous donner mon coup de folie qui sera le 6. Donc, je répète ma dernière minute, le 10, mon coup de cœur, le 12 et mon coup de folie sera le 6. Je répète ma sélection, le 10, le 2, le 12, le 5, le 3, le 8, le 13 et le 6. Pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier, le 10, le 2, le 12 et le 5. Pour moi, la bonne base pour demain, c'est le 2. Moi, je prendrai le 10, que je vous ai mis en dernière minute, pour que ça paye un peu plus. Et mon coup de cœur, le 12, si vous voulez mettre ça en base, en multi, en 5, avec le reste de ma sélection, après vous faites comme vous voulez. Vous mettez une petite pièce sur le 10, je pense qu'il devrait finir dans les 3. Bon, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à demain.